fait 2 ans que je porte ce projet, qui était un projet effectivement de réalisation d'un démonstrateur automobile qui intègre des matériaux, disons, alternatifs, qui permettent aussi de tester des carburants alternatifs, mais qui, au fil, moi, de mon parcours au sein du Low-Tech Lab, j'avais vraiment ressenti le besoin d'aller approfondir la question de tout ce qui n'est pas technique dans la low-tech, c'est-à-dire l'éthique qui est derrière, et ce qu'elle préfigure comme modèle de société, modèle de production, modèle de consommation. Je pense que profondément, la low-tech s'est questionnée le besoin de technique. Je pense que dans beaucoup, beaucoup de domaines et dans beaucoup de besoins, dans beaucoup d'usages au quotidien, on peut questionner la façon dont on y répond. L'enjeu, c'est vraiment savoir que c'est possible de faire autrement pour du coup remettre en question et questionner le fatalisme, justement le fait que mais c'est la seule façon de faire. Bah non, il y a d'autres façons de faire. Fabriquer des toilettes sèches, c'est quand même prendre conscience qu'on chie dans l'eau potable au quotidien et qu'on jette 8 litres d'eau par la fenêtre à chaque fois qu'on tire la chasse. Et c'est juste ce sujet-là, enfin, de poser la question.